Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec Théo et Célia et bienvenue sur la radio ado. Aujourd'hui, vous êtes avec Mathilde, Léo, Lily Rose, Amélie, puis Ilan. On commence tout de suite avec Léo qui va nous parler de Diego Maradona. Merci Célia et Théo. Aujourd'hui, je vais vous parler du footballeur Diego Maradona, qui est décédé le 25 novembre 2020. Grand joueur international argentin au poste de milieu offensif sous le numéro 10, star éternel qui a aidé à gagner la Coupe du Monde au Mexique de 1986, il se reconvertira en entraîneur, nommé sélectionneur de l'équipe nationale argentine le 28 octobre 2008. À l'issue de la Coupe du Monde de football de 2010, au cours de laquelle l'Argentine s'incline lourdement contre l'Allemagne avec un score de 4-0 en quart de finale. De 2019 à 2020, alors que sa santé décline à partir de l'année 2020, il sera l'entraîneur du club de Gimnasia La Plata. Il nous quittera à son domicile à Tigre de Buenos Aires juste après son 60e anniversaire d'un arrêt cardiaque. Ilan va nous présenter un canular téléphonique. Bonjour à toutes et à tous, nous allons lancer le canular sans attendre. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, pourquoi vous vous appelez? Non, c'est vous qui m'avez appelé. Mais pourquoi tu m'appelles? Vous... Mais je vous ai pas appelé, monsieur, je vous dis, vous êtes fou. Mais non, je ne suis pas fou. Vous m'avez appelé. Je réponds, pourquoi? Je vous ai pas appelé, monsieur. Mais si, vous m'avez appelé. Mais non, je vous ai pas appelé, monsieur. Arrêtez de mentir, je sais ce que je fais quand même. Mais je m'en parle. Je ne suis même pas au téléphone. Radio Ado, la plus fun de toutes les radios. Un micro-trottoir avec Théo et Amélie sur le thème de voyage au PS5. Merci Célia, nous te remercions. Et nous allons tout de suite poser à différentes personnes les questions suivantes. Si vous pouvez partir en voyage, vous partirez où ? Je m'appelle Anaïs Pinaudier et donc je suis CPE au collège de René Cassin à Ballon. Et si je devais partir en voyage, je partirais sur une île à Bali, au soleil, pour découvrir de nouvelles cultures et puis profiter du soleil et de la belle énergie qui est présente sur cette île, rencontrer de nouvelles personnes et être dépaysée. Bonjour, je m'appelle Goulven et je suis en 4e. Et si demain je devais partir en voyage, j'irai avec mes grands-parents au ski pour retrouver ma famille et puis faire des activités en plein air. Et si vous pouvez avoir une console entre la PS5 et la Xbox, vous prendrez laquelle ? Moi c'est Mathéo, je suis en 5e. Personnellement, je préfère un peu la PS5 parce que par rapport aux jeux que je joue, les graphismes sont meilleurs et puis voilà. Bonjour, moi je m'appelle Maxence, je suis en 4e et personnellement je préfère la PS5 parce que la manette elle est plus grosse donc plus facile à manier et les graphismes je pense qu'ils sont mieux que l'Xbox, voilà. Je m'appelle Roman, donc je suis surveillant au collège de Ballon. Donc on m'a demandé si je préférais la PS5 à la Xbox. Donc je préfère la PlayStation 5 à la Xbox car je trouve que c'est une console que quasiment tout le monde peut posséder comparé à la Xbox. Donc on a plus d'amis pour jouer en ligne, en réseau. Je trouve aussi que c'est une console que j'avais déjà avant, j'avais la PlayStation 4, donc c'est une console que je connais déjà avec la manette, j'ai les mêmes repères, j'aime bien les jeux qui s'y font, donc voilà, je préfère continuer sur une console que j'ai déjà jouée. Donc voilà, je suis plutôt PS5 que Xbox. On va réécouter un canular différent de celui d'avant. Oui, allô? Ils arrivent. Mais qui? Cachez-vous. De quoi? Cachez-vous. Mais je me cache où? Ils arrivent. Mais ils arrivent. Mais cachez-vous. Qui? Oui, où? Cachez-vous. Mais pourquoi? Ils arrivent. Qui? Les monstres? Non. Ils arrivent. Cachez-vous. Et ne sortez pas de chez vous avant. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent. Mais j'ai ma vie, moi. Mais ne sortez pas de chez vous. Pourquoi? Il y a le confinement. Ah ah ah. Ensuite, une pop culture avec Mathilde. Merci Célia, merci Théo. Donc aujourd'hui, on va parler d'un manga. Bonjour, je m'appelle Mathilde et aujourd'hui, on va parler de pop culture. Un animé manga shonen qui s'appelle Attaque des Titans ou Shingeki no Kyoshin en japonais. Il est pré-publié depuis septembre 2009 et 32 tomes sont sortis en septembre 2020.
L'histoire est centrée sur les personnages d'Eren Yeager, Mikasa Ackerman et Armin Arlette. De nombreux personnages font ensuite leur apparition comme les membres de la 104e brigade d'entraînement, du bataillon d'exploration ou encore de la garnison. Les différents titans tiennent également un rôle important dans la série. En l'an 845, les humains n'ont pas aperçu de titans aux abords du district de Shiganshina depuis plus d'un siècle. Le père d'Eren, Grisha Yeager, lui confie la clé de leur sous-sol qui contiendrait des secrets capitaux sur les titans. Malheureusement, Eren et sa sœur adoptive, Mikasa, sont témoins de l'apparition d'un titan de 60 mètres, le titan colossal ainsi que le titan cuirassé, qui ouvre une brèche dans le mur Maria. Eren n'a donc par conséquent pas eu le temps de voir le secret de la cave. Les titans déferlent alors sur la ville et font un carnage. Un titan souriant se précipite pour dévorer la mère d'Eren sous ses yeux. Celui-ci décide de prendre sa revanche et de tuer tous les titans en intégrant le bataillon d'exploration. Radio Anno, la plus fun de toutes les radios. Ensuite, un micro-trottoir avec Mathilde et Lily Rose. Merci Théo et merci Célia. Aujourd'hui, dans la cour de récré, nous avons posé des questions à Eleandra, Amy et Cyrielle. Bonjour, quelle a été ta première impression en arrivant au collège ? Bonjour, je m'appelle Eleandra, je suis en 4e E. Alors, ma première impression quand je suis arrivée au collège, j'avais grave peur, j'étais nerveuse et tout, mais je me suis fait plein d'amis. Et j'ai perdu aussi beaucoup d'amis que quand j'étais en primaire. Bah voilà. Je m'appelle Amy Grimaud, je suis en 3e A. Donc du coup, en fait, ma première impression quand je suis venue au collège, en primaire, j'étais pas ici, j'étais au Mans. Et donc du coup, je suis partie sans mes potes et tout, donc ça a fait un gros trou. Au départ, je voulais pas venir ici parce que j'avais plein de copains, donc du coup, je voulais rester là-bas. Sauf que j'étais obligée parce que je suis en SECPA, donc du coup, je suis obligée d'aller dans une classe spéciale. Alors du coup, je me suis retrouvée ici parce qu'entre-temps, on a déménagé. Donc du coup, je suis ici en ce moment. Voilà. Bonjour, quelle matière préfères-tu ? Bonjour, je m'appelle Cyrielle Rousseau, je suis en 4e E et ma matière préférée c'est la physique chimie parce que on apprend plein de choses et de quoi notre environnement est constitué et voilà. Radio Anno, la plus fun de toutes les radios. Oui allô. Oui bonjour. Oui bonjour, c'est pour la livraison. Quelle livraison? Du silo à grains. Mais je ne sais même pas ce que c'est, monsieur, un silo à grain. Vous êtes marqué sur la liste, vous êtes bien monsieur Patapouf, Roussiboulette. Oui, c'est moi. Oui, donc, je vous attends. Mais pourquoi? Je ne vais pas payer, monsieur. Vous payez. Mais j'ai rien commandé, monsieur. Je suis devant chez vous, avec deux silos à grain. Eh, monsieur, vous êtes perdu, là, en fait. Non. Apparemment, si, parce que moi, j'ai rien commandé. Non, je suis devant chez vous. Vous n'êtes pas livreur, alors. Si. Mais j'ai rien commandé, monsieur. Mais si. Mais la preuve, je l'ai dans mon... Monsieur, arrêtez de me harceler, je sais ce que j'ai fait quand même. Je sais que j'ai rien commandé, moi. Vous êtes un dreamer. Je l'ai là et c'est marqué sur la liste. Monsieur, vous voulez que je vous rappelle votre patron pour vérifier? Je suis pas sûre, mais je crois que c'est moi le patron. Ouais, on s'en fiche un peu, mais... Sinon, j'ai rien commandé, donc je paierai rien. Point final. Allez, partez. Partez. Je vais chercher la police. Oui, c'est moi qui vais aller chercher la police. Parce que là, vous êtes en train de m'harceler pour une livraison que je n'ai même pas commandée. Vous savez même comment je suis ? Si, vous êtes dans ma rue. Voilà. Donc, maintenant, vous payez. Pourquoi, monsieur ? J'ai rien commandé, moi. Monsieur, vous êtes sur la liste. Dégarde, pissez de vos appartements. Je suis devant votre appartement, je ne suis pas dans votre appartement. Alors maintenant, vous allez payer. Non. Je suis devant votre porte. Monsieur, devant votre porte. Allez, j'ai la police. Oui, bonjour. C'est madame. Radio Anno, la plus fun de toutes les radios. Des projets de ballon, je suis avec Stécie Gaudin qui est également animatrice jeunesse à la Maison des Projets. On va faire un petit bilan avec nos jeunes qui ont participé au projet Web Radio qui a duré 6 semaines, 1 heure tous les vendredis sur le midi. Alors la question va être de résumer en un mot le projet des 6 semaines et d'argumenter pourquoi est-ce que ça vous a plu ou pas. Et on va faire tout de suite aux questions. Je m'appelle Théo Rabin, participant à Web Radio. Le mot pour moi ce sera fun parce qu'on s'est bien amusé, il y avait de bons bêtisiers, c'était plutôt cool, il y avait de bonnes répliques, des bonnes anecdotes qu'on pourra peut-être dire dans une prochaine séance. Donc franchement, moi j'ai bien aimé. Et ce sera tout pour moi, même si j'aurais préféré participer à Koh-Lanta. Je m'appelle Célia. Moi, mon vacances, c'est génial, c'est bien. C'est amusant, c'est drôle. Bonjour, je m'appelle Lily Rose.
Mon dernier mot pour la fin, ce serait incroyable parce que c'était drôle et voilà. Bonjour, je m'appelle Ilan Delomet et mon dernier mot pour la fin, moi, ce serait super cool parce que c'était une expérience incroyable. Mais si je pourrais le refaire, je le ferais sans hésiter. Bonjour, je m'appelle Mathilde Beauregard. J'ai trouvé que c'était cool car il y avait beaucoup de blagues, de mots, etc. Bonjour, je m'appelle Léo. Mes deux mots, c'est incroyable le talent parce que les deux animateurs ont des talents exceptionnels. Je les remercie. J'ai adoré. C'était trop cool.